Expo has modern extensive premises conveniently located at the heart of Europe. Let's have a tour and discover it. You can access Polexpo by any means you please. The International Coindrin Airport is across the road. Cornavin train station is a short ride away. This puts us 1 hour from Paris, London, Frankfurt or Zurich, and 6 from Dubai or 10 from Beijing. Do you believe too much gluten in food is harmful? Dogs aren't likely to give it much thought, but we can. Our love shines through in prevention by nutrition with BritCare. Want a dog food that's gluten-free and hypoallergenic? We've got lamb with rice. Want one that's entirely free of grains? How about salmon with potatoes? BritCare offers a wide range of nutritional needs, always ensuring a strong immune system and top physical condition for your canine buddies. Brit. Em algumas relações, o amor é mais que sentimento. É cuidado, dedicação e aperfeiçoamento. A criação de cães é tudo isso e merece ser compartilhada, celebrada e premiada. Por isso, desde 1964, anualmente, uma cidade do mundo recebe os mais belos cães de raça para o World Dog Show. Em 2022, São Paulo, a maior metrópole da América Latina e capital do turismo de negócios, receberá o maior evento de cães do mundo. O espaço escolhido para a edição verde-amarela é o Expo Center Norte, localizado estrategicamente. Oferece 76 mil metros quadrados de área construída, com capacidade para receber 12 mil pessoas por dia, com infraestrutura completa e alta qualidade em serviços. Serão mais de 5 mil cães de 50 países dos 5 continentes reunidos para mostrar o melhor da criação mundial e a importância da preservação das raças, em uma programação repleta de atividades como competições de beleza, esportes caninos, grooming e muito mais. Faça parte dessa festa! No ano em que o Brasil comemora 100 anos de cinofilia, quem ganha esse presente somos todos nós. World Dog Show Brasil 2022, de 8 a 11 de dezembro, no Expo Center Norte. Good afternoon to everyone here in the hall in Palexpo, Geneva. It's lovely to see so many of you still here with us at almost the end of a super long weekend. Mesdames, messieurs, chers juges, exposants et public, nous sommes très heureux avec Linda de vous retrouver pour cette troisième et hélas dernière journée de ces expositions canines internationales de Genève 2022. We have ahead of us the final competitions of the third international dog shows of this weekend here in Geneva. Warm welcome to everybody that is watching us from all over the world on Facebook and YouTube. Do not forget to share among your friends. You can watch on the P1 Dog Shows channel and you will find it on the Facebook page also of the International Dog Shows Geneva. Alors, on salue également tous ceux qui suivent sur P1 Dog Shows les prestations qui sont effectuées pendant ce week-end, aussi bien sur YouTube que sur la chaîne Facebook. Stay with us. Merci et bon après-midi à toutes et à tous. Et n'oubliez pas d'applaudir les concurrents. Merci. And as every afternoon, we are starting with the best couple competition. I would like to welcome to the main ring our guest from Poland to judge this competition, Mrs. Małgorzata Wieremejczyk-Wierzchowska. Et pour les couples en compétition, un couple de bearded collie.
suivi de chiens de bergers hollandais à poil court, des bergers australiens, un autre couple de bergers australiens, des staffies, deux couples de staffies, des Jack Russell, des Samoyèdes, Alaskan Malamute, Siberian Husky, Siberian Husky à nouveau, Spitz japonais, Conahound Black and Tan, Beagle, Rhodesian Ridgeback, Retriever Labrador, Caniche moyen, Fauve, Carlin, Bulldog français, Boston Terrier. Alors, on va les Irish Wolfhound, on leur laisse un peu d'espace et c'est fini. C'était le dernier couple en compétition. It's amazing to see still so many couples entering the main ring. The weekend must have been long and tiring, but they wanted to present their beautiful couples to see if they have a chance under our judge, Mrs. Malgorzata Wieremejczyk-Wierzchowska from Poland. Voilà, c'est toujours impressionnant d'avoir autant de couples présentés. Alors, les Bearded Collies sont sélectionnés. Les Hollandais également. Un couple de bergers australiens. Les Samoyèdes. Les Spitz japonais. Les Conahound. Et Madame la juge félicite tous les autres participants, applaudissez-les très fort à leur sortie du main ring. Six selected couples, the first one that you can enjoy watching on the move is the couple of bearded collies. Voilà donc le couple de collets barbus en mouvement autour du ring. Recognizable by the brindle coloring, the Dutch Shepherd short-haired. This breed comes in three hair varieties. Long-haired, wire-haired. This one is the Dutch Shepherd short-haired. Ah, donc les bergers hollandais à poil court, suivi des bergers australiens. Quite difficult to have to compete in couples with a breed that comes in different colors, because the point of the couple is that the male and the female should be looking as much alike as possible. The Australian Shepherds. Les bergers australiens qui, comme l'a dit Linda, sont remarquables puisque ils sont. La répartition des couleurs est la même chez le mâle et chez la femelle. Ils sont suivis donc par des Samoyèdes. C'est plus facile dans cette race. L'homogénéité des couleurs est un peu plus facile à obtenir. On est blanc ou blanc. And
just like the Samoyeds before. Also, the Japanese Spitz only comes in pure white color. Également, couleur unique chez les Spitz japonais, le blanc. Et une race relativement rare, admirez-la, ce sont des Conahound Black and Tan. And since we started the topic of the color in the couples, this breed also comes only in one allowed color, because also the name of the breed says so, the Black and Tan Coonhound. One second. Dernier coup d'œil donc de Madame la juge. Avant son verdict. The results of the first competition of this afternoon. Third place goes to the couple of Japanese Spitz. Les Spitz japonais en troisième position. Second place goes to the Australian Shepherds. Les bergers australiens sur la deuxième marche. And the first place in best couples goes to the Black and Tan Coonhound. Voilà, donc ce sont, comme vous l'avez compris, les Coonhound Black and Tan qui l'emporte dans cette classe des couples devant les bergers australiens et les Spitz japonais. Voilà, c'était le premier podium de cet après-midi. Et on félicite les heureux lauréats. La classe des groupes d'élevage. Vous allez accueillir sous vos applaudissements Madame Ina Maleka qui nous vient de Pologne. S'il vous plaît, sous vos applaudissements. And we have breeders groups competing. The Australian Shepherds, Bernese Mountain Dogs, the Staffordshire Bull Terriers, Siberian Huskies, the Labrador Retrievers, and French Bulldogs are the last of the breeders' groups competing. Alors, la classe des groupes d'élevage comporte obligatoirement dans chaque groupe trois chiens.
qui sont issus du même élevage, du même kennel, mais qui peuvent appartenir à des propriétaires différents, le minimum étant de 3 chiens par groupe. Et bien entendu, les deux sexes peuvent être représentés dans chacun des groupes. Ce sont donc les bergers australiens qui s'élancent en premier devant vous. Et là encore, vous pouvez remarquer dans cette race de chiens où beaucoup de couleurs sont admises que les 3 chiens en compétition sont de couleurs remarquablement semblables, homogènes. Voilà, groupe d'élevage suivant, composé de 5 bouviers bernois. Mais ici, pas de problème, je pense que tout le monde les a reconnus. Competing for best breeders group of the day, the Bernese Mountain Dogs. The dog chose his own handler. Les suivants sont les Staffordshire Bull Terrier Staffy. The breeders group of the Staffordshire Bull Terriers. Groupe suivant, composé de 3 Siberian Huskies, eux aussi avec des robes remarquablement homogènes. Siberian Huskies. Les suivants, donc 3 Labrador, également de même couleur, sable. Breeders group of the Labrador Retrievers. And one more. Et donc, dernier des groupes d'élevage participants, ce sont les Bulldogs français. The last one of the competing groups, the French Bulldogs. So, what are the results in the best breeders groups? Alors, sur la troisième marche du podium auprès de Madame Maleka vont se diriger les Bulldogs français. Troisième. Third place for the French Bulldog. Deuxième, les Bouviers bernois. Second place for the Bernese Mountain Dogs. Et ceux qui se positionneront en première place, ce sont les Siberian Huskies.
After we are done with the picture taking of the breeders groups, we are ready to introduce to you the youngest competitors at the show, the minor puppies. To judge the best minor puppy today comes our guest from Hungary. Please welcome Mr. Dürt Desic. Et pour les chiens en compétition, le premier sera un berger de Beauce. Suivi d'un bobtail, suivi d'un Shetland, suivi d'un Pumi, un dog allemand fauve, un bulldog anglais, un Leonberg, un Novawart, un border, voilà le border terrier qui arrive, un Jack Russell terrier, un bull terrier miniature qui refuse d'avancer. Voilà. Un American Staffordshire terrier, un Siberian Husky, un Spitz nain, un Eurasier, un Shiba Inu, un Dalmatien. Rhodesian Ridgeback, allez-y. Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Flatcoat Retriever, Labrador Retriever, Chesapeake Bay Retriever, Welsh Springer Spaniel, Barbet, Lagotto Romagnolo, chien d'eau portugais, chien d'eau espagnol, et enfin, the last one, le dernier, non, un whippet, et il y a encore un Modior Agar en dernier. Last one. Minor puppies up to 6 months of age. Voilà, donc de nombreux chiots, tous sont âgés de moins de 6 mois au jour de cette exposition. Donc tous sont encore loin d'avoir atteint leur maximum de développement corporel et également au niveau du pelage. Certains sont bien loin d'avoir leur poil d'adulte, leur livrée d'adulte. Et ça sera un choix difficile pour M. Tekcsik de choisir 6 parmi tous ces excellents chiots. Alors le dog allemand fauve est sélectionné. L'Amstaff est sélectionné. Rhodesian Ridgeback sélectionné.
Cherche est le Flatcoat Retriever et le Welsh Springer sont sélectionnés. Voilà donc pour les 6 qui peuvent prétendre au podium. Et applaudissements pour ceux qui sortent, pour tous nos excellents futurs champions. Mais il faut bien choisir 6 parmi, encore une fois, une catégorie très nombreuse des chiots de moins de 6 mois. Six best minor puppies of up to 6 months of age. The first one that you're watching on the move and now being stacked in front of our judge is the Great Dane Fawn. Voilà, le dog allemand fauve. Effectivement, pour la plupart, c'est une toute première participation pour ces très jeunes chiens. Ici, vous avez l'American Staffordshire Terrier. The American Staffordshire Terrier Minor Puppy. Se présente ensuite, sous le regard de Monsieur le juge, un Rhodesian Ridgeback. The last check of the judge was on the back of the dog, where he was checking the correctness of the ridge, because that's a hallmark of the breed, the Rhodesian Ridgeback. C'est ensuite un retriever à poil lisse, flat coat retriever, qui se présente sous le jugement. Vous voyez que les chiens de proches de 6 mois sont déjà plus habitués au ring et les plus jeunes un peu moins. The flat-coated retriever. Cette fois, c'est un chiot Welsh Springer Spaniel qui évolue devant vous. Et effectivement, s'il fait partie de vos favoris, vous pouvez les applaudir à chacune de leurs évolutions. The Welsh Springer Spaniel. And the Lagotto Romagnolo.
So we seem to be ready for the results of the best minor puppy. In the minor puppies, the third place today goes to the Great Dane Fawn. Le dog allemand fauve troisième. Second place goes to the flat-coated retriever. Deuxième, le flat-coat retriever. And the winner is the Lagotto Romagnolo. Dans les bras de sa maîtresse, c'est donc le Lagotto Romagnolo qui l'emporte dans cette classe devant le Flatcoat Retriever et le dog allemand fauve en troisième position. Dans cette classe des chiots, donc... tous âgés de moins de 6 mois. Time for pictures. Alors nous allons maintenant passer à la classe des 6 à 9 mois, la classe des très jeunes, et vous allez accueillir Madame Olga Kuprianova-Shinko. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. De Slovénie. Competing for Best in Show Puppy. The Old English Sheepdog, Dutch Shepherd Short-haired, the Australian Shepherd, the Doberman, the Miniature Pinscher, Great Dane Brindle, Bernese Mountain Dog, Entlebuch Cattle Dog, the Brazilian Terrier, the Parson Russell Terrier, the Scottish Terrier, the West Highland White Terrier, the Miniature Bull Terrier, the Wolf Spitz, Akita, the American Akita, Shiba, the Beagle, the Rhodesian Ridgeback, the Pointer, Nova Scotia Dactyling Retriever, the Golden Retriever, the Labrador Retriever, English Cocker Spaniel, Welsh Springer Spaniel, the Boston Terrier, and the Italian Sidehound. Puppies 6 to 9 months of age competing for Best in Show Puppy. Voilà, donc on a affaire encore à ce qu'on peut appeler des chiots puisqu'ils sont âgés entre 6 et 9 mois. Et c'est une classe très nombreuse qui s'offre au regard de Madame Shinko.
le petit lévrier italien est sélectionné. Le Shiba est sélectionné. Le Golden Retriever est sélectionné également. Le Scottish Terrier sélectionné. Le Bouvier de Lettlenburg. Et le Old English Sheepdog, le Bobtail. Voilà pour les 6. Et applaudissements, s'il vous plaît, pour ceux qui nous quittent tous, peut-être de futurs champions. C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas, à tous ceux qui sortent, qui ont tous de beaux chiens, puisque choisis comme meilleur dans leur catégorie ce matin. Et c'est le Shiba qui s'élance en première position pour cette classe des très jeunes. Competing for best puppy in show, now it's the Shiba. Voilà le second en compétition est ce jeune Golden Retriever. Qui est très joueur, comme vous le voyez. They are puppies, they need to still play and be happy. And it's great to see the dog so happy in such conditions. It's difficult for puppies to be shown in those sounds and lights here. That was the Golden Retriever. And now we are watching the best puppy within the breed, the Italian Sighthound or Piccolo Levriero Italiano. Voilà le petit lévrier italien. Également très heureux d'être sur cette belle moquette bleue de Palexpo. Le suivant, donc tout de noir vêtu, et vous l'avez reconnu, le Scottish Terrier. Avec déjà une fourrure remarquable pour son âge. Now we have on the move the Scottish Terrier puppy. Parmi les 6 sélectionnés par Madame Schinko, vous avez reconnu une race tout à fait locale, tout à fait suisse. C'est le Bouvier de Lettlenburg. One of the 4 Swiss cattle dogs within the mountain dogs and cattle dogs within FCI Group 2. This is the Entlebuch cattle dog, now exchanged by the puppy of the Old English Sheepdog. Et donc, le dernier choix de Madame Schinko en ce qui concerne ses très jeunes chiens et le Bobtail. Alors, en attendant que Madame Schinko rejoigne le podium, on va demander à ce que le petit lévrier italien la rejoigne sur la 3e marche du podium. Third place for the Italian Sighthound. En 2e position, ce sera le Shiba. Second place for the Shiba.
et le meilleur très jeune du jour est le Bobtail Old English Sheepdog. And now we are ready to have the ring extremely full, like every afternoon, full of juniors. We are going to be choosing best junior in show. And just like both the other days before, we will first introduce you, of course, the judge, but then the competitors from the first five FCI groups, and then the second half of the FCI groups. So let me welcome our guest from Portugal to choose the junior best in show, Mr. Zeferino Silva. Et pour les concurrents en compétition, un Schipperke, suivi d'un berger de Beauce, d'un Bobtail, un Bearded Collie, un berger blanc suisse, un berger australien, un schnauzer géant noir, un terrier noir de Russie, dog allemand fauve, dog allemand arlequin, mastiff, bulldog continental, Leonberg, dog du Tibet, bouvier bernois, grand bouvier suisse, fox à poil dur, fox à poil lisse, Irish terrier, Jack Russell terrier, West Island White Terrier, Bull Terrier Miniature, Staffordshire Bull Terrier, Chien d'Eskimo Canadien, il arrive. Le Samoyed, Alaskan Malamute, Siberian Husky, Shiba Inu, Shikoku, Bazenji, le Xolo Standard, et c'était le dernier chien proposé à votre jugement, ce Silva. So these are the juniors from FCI groups 1 to 5. Our judge will do a pre-selection out of these, and then we will introduce to you the juniors from groups 6 to 10.
Voilà donc une première présélection de 10 jeunes chiens va être effectuée par Monsieur Silva et ensuite on introduira sur le ring les jeunes des groupes 6 à 10. Alors, la première présélection comporte le bobtail, le berger australien, le tjorni terrier, le dog allemand, le bull mastiff, le bouvier bernois, le jack russell, le west island white terrier, le Staffy, that's all, c'est tout, monsieur Silva. Et également le Bazunji. Voilà pour les 10 sujets sélectionnés. Pour les autres, vous pouvez quitter le ring sous les applaudissements, s'il vous plaît. Toujours pour ces jeunes chiens de 9 à 18 mois. So we have the selection from the first 5 FCI groups and we are ready to invite the juniors from the other 5 groups. Alors, la suite donc à partir du 6e groupe, le petit basset griffon vendéen suivi du beagle, braque de Weimar à poil court, du pointer anglais, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Flatcoat Retriever, Golden Retriever, Retriever du Labrador, Chesapeake Bay Retriever, Cocker Spaniel anglais, English Springer Spaniel, Lagotto Romagnolo, chien d'eau portugais, caniche nain noir, deux caniches nains noirs, le griffon bruxellois, le carlin, le bulldog français, le Boston terrier, dans le 10e groupe, donc le Saluki, l'Irish Wolfhound, le Whippet. That's all, et c'est tout pour les chiens des groupes 6 à 10. Time for the next selection from the best juniors. Le Whippet, le Saluki sont sélectionnés, le Carlin, le chien d'eau portugais, Lagotto Romagnolo, Labrador, Golden Retriever, le petit basset griffon vendéen, chance pour le caniche toy black noir. Voilà, encore une fois félicitations et merci à ceux qui vont nous quitter. Voilà, et le bobtail peut se présenter sous les ordres de monsieur le juge. We will line up the juniors that have been selected.
by the FCI groups, and our judge will make another short list. So we come down to 6 best juniors that you will see individually on the move. Voilà, donc comme vous l'avez vu, 10 jeunes chiens ont été sélectionnés parmi les groupes 1 à 6 et 10 autres parmi les groupes 6 à 10. Voilà, vous suivez les ordres qui vous sont indiqués par notre ami Joey. Et c'est parmi ces 20 chiens sélectionnés que Monsieur Silva va maintenant choisir les 6 meilleurs. This is definitely the competition with the most entries within one ring, one competition. So it takes the longest time and the biggest concentration, and we are getting down to 6. Donc le berger australien a été sélectionné, le terrier noir de Russie, le Jack Russell, le Basenji, on est à 4. Donc encore 2 chiens vont les rejoindre, le Golden Retriever et le Carlin, le Pug. Et félicitations et merci à tous ceux qui n'ont pas été, hélas pour vous, retenus dans la sélection finale de Monsieur Zeferino Silva. Voilà, et vous vous présentez maintenant individuellement sous les ordres de Monsieur le juge, pour que ces 6 chiens soient examinés et départagés. We will try to remind the winner of this competition when he's on the podium that the junior best in show of today will be competing tonight at the very end of the show for the supreme junior best in show. And here competing now today is the Australian Shepherd. Voilà le berger australien qui a évolué devant vous et lui succédera donc le terrier noir de Russie. Et c'est vrai que le meilleur, celui qui sera choisi en première position par Monsieur Silva, sera en compétition en fin de programme pour le titre de Supreme Best in Show des 3 journées de compétition. The Russian Black Terrier. Alors, sur la table d'examen et dans la lumière, le Jack Russell Terrier, dont vous le voyez, Monsieur Silva examine avec beaucoup d'attention tous les détails de son anatomie. The Jack Russell Terrier. C'est un chien du 5e groupe de la FCI, donc le Basenji, qui est maintenant examiné en détail par Monsieur Silva. Representing so-called primitive breeds from
FCI Group 5 competing for Junior Best in Show, the Bus NG. Le suivant, issu du 8e groupe de la FCI, et qui est, un, comme son nom l'indique, un chien rapporteur, donc le Golden Retriever. Best junior within the breed, Golden Retriever. Et sixième jeune chien sélectionné par Monsieur Silva, il s'agit du Pug ou Carlin, qui est issu du 9e groupe de la FCI, le groupe des chiens de compagnie. The last one of our six selected juniors, the Pug. So again, the strongest competition, the Junior Best in Show, 9 to 18 months of age. Ready. Third place in Junior Best in Show goes to the Jack Russell Terrier. Troisième position pour le Jack Russell Terrier. Second place for the Russian Black Terrier. Le Terrier Noir de Russie en deuxième position et the Junior Best in Show. The one that is going to be competing tonight for Supreme Junior Best in Show is the Pug. Voilà donc celui qui aura l'honneur de représenter tout à l'heure les gagnants du jour sera donc ce jeune Pug ou Carlin ou Mops, selon les pays, qui l'emporte dans ce Junior Best in Show du jour. Il devance l'imposant Terrier Noir de Russie et en troisième position le Jack Russell Terrier. Voilà, c'était pour ce classement des jeunes chiens qui, comme vous l'avez vu, comportaient de nombreux prétendants. Alors, après les jeunes, nous allons maintenant nous intéresser aux vétérans, aux chiens de plus de 8 ans. Et pour les juger, je vais appeler, il nous vient d'Espagne, Monsieur José Miguel Doval. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Competing for the Best in Show veteran, we have Skipperke. The Bearded Collie.
the Czechoslovak wolf dog, the Dutch shepherd rough haired, the Scappendus, Bouvier de Flandre, giant schnauzer black, Great Dane Black, the Rottweiler, San Bernard Shorthaired, Canadian Eskimo Dog, the Alaskan Malamute, the Siberian Husky, the Wolf Spitz, giant German Spitz White, the Japanese Spitz, the Shiba, Basenji, the Beagle, Hungarian Short-haired Pointing Dog, the Gordon Setter, the Labrador Retriever, the Chesapeake Bay Retriever, the Clumber Spaniel, the English Cocker Spaniel, the Welsh Springer Spaniel, Chihuahua Long-haired, Cavalier King Charles Spaniel, Pug, Saluki, and the Whippet. These are the veterans over 8 years of age competing today for Best in Show Veteran. Voilà donc tous les chiens vétérans âgés de plus de 8 ans qui ont été choisis quand il y avait plusieurs chiens de la même race dans leur catégorie comme meilleurs vétérans, bien entendu, dans chaque race, qui sont maintenant sous le regard de Monsieur le juge qui va effectuer, comme pour chacune des autres classes, une sélection des 6 les plus représentatifs. Je rappelle que les chiens doivent être âgés d'au minimum 8 ans au jour de l'exposition, mais sans limite maximum d'âge. We really appreciate that so many owners of the veterans still stayed at the end of the long weekend to present their beautiful dogs in this competition. Le Bouvier des Flandres a été sélectionné, ainsi que l'Alaskan Malamute, le Beagle, le Chesapeake Bay Retriever, le Cavalier King Charles et le Pug. C'est le Bouvier des Flandres, un chien franco-belge du premier groupe qui s'élance devant Monsieur le juge. Best veteran, Bouvier des Flandres. Issu du 5e groupe de la FCI, vous avez reconnu un superbe vétéran Alaskan Malamute en mouvement devant Monsieur le juge. The Alaskan Malamute.
du 8e groupe de la FCI, le groupe des rapporteurs, le Chesapeake Bay Retriever. Most of the breeds from this selection are very well-known breeds, but the one that is now on the move, the Chesapeake Bay Retriever, belongs to a more or less rare breed from FCI Group 7. I'm sorry, 8, of course. And this is the best veteran beagle. Voilà donc le beagle représentant le 6e groupe de la FCI. Celui-ci donc appartient au 9e groupe, le groupe des chiens de compagnie, et c'est le cavalier King Charles. Now on the move, the Cavalier King Charles Spaniel. And we will stay in the same FCI group, FCI Group 9, with the companion breeds. This is the pug. Best veteran in show competition is the last one before we start choosing the best in FCI groups. And now we are ready with the results for best in show veteran. Alors, le troisième meilleur vétéran du jour est le Chesapeake Bay Retriever. Third place for the Chesapeake Bay Retriever. Deuxième, le Beagle. Second place for the Beagle. Et le meilleur vétéran de ce dimanche est le Carlin ou Pug. Best veteran in show, the Pug. Polexpo has modern extensive premises conveniently located at the heart of Europe. Let's have a tour and discover it. You can access Polexpo by any means you please. The International Coindrin Airport is across the road. Cordovan train station is a short ride away.
This puts us 1 hour from Paris, London, Frankfurt or Zurich, and 6 from Dubai or 10 from Beijing. Do you believe too much gluten in food is harmful? Dogs aren't likely to give it much thought, but we can. Our love shines through in prevention by nutrition with BritCare. Want a dog food that's gluten-free and hypoallergenic? We've got lamb with rice. Want one that's entirely free of grains? How about salmon with potatoes? BritCare offers a wide range of nutritional needs, always ensuring a strong immune system and top physical condition for your canine buddies. Brit. Back to the main ring here in Palexpo Geneva. We are starting with besting group competitions, starting with FCI Group 1. I would like to welcome back to the main ring our guest from Portugal, Mr. Zeferino Silva. Et pour les meilleurs chiens du premier groupe, un Kelpie australien, suivi d'un berger belge Groenendaal, d'un berger belge Tervuren, d'un Schipperke, d'un berger de Beauce, d'un berger de Brie noir, d'un berger Picard, berger allemand Bobtail, bearded collie, border collie, collie à poil court, Shetland Sheepdog, Welsh Corgi Cardigan, Welsh Corgi Pembroke, chien loup tchécoslovaque, berger blanc suisse, berger hollandais à poil court, berger hollandais à poil long, berger hollandais à poil dur, le Chapendoose, le berger australien, le bouvier australien et le bouvier des Flandres. Et c'était le dernier chien du premier groupe proposé au choix de Monsieur Zeferino Silva. FCI Group 1, the sheep dogs and cattle dogs, except of the Swiss cattle dogs. Le Bouvier des Flandres est sélectionné, le berger australien est sélectionné, le Welsh Corgi Pembroke est sélectionné, le Bearded Collie est sélectionné, le Bobtail est sélectionné, ainsi que le Schipperke. Voilà pour les 6 choix de Monsieur Silva. Merci et félicitations à tous les autres concurrents, bien évidemment. Tous d'excellents chiens, puisque tous meilleurs de race au cours de la matinée. Mais encore une fois, il faut bien choisir la crème de la crème, comme on dit, les meilleurs des meilleurs. Et ce sont les 6 qui restent sur la moquette bleue actuellement, qui prétendent actuellement au titre de meilleur adulte du premier groupe. Voilà, c'est le Bouvier des Flandres qui vient d'évoluer devant vous. Best of breed winner, Bouvier des Flandres. Berger australien ensuite en mouvement. One of the strongest breed by the number of entries in FCI Group 1, as usual. The Australian Shepherd. Voilà, le
Welsh Corgi, l'une des deux variétés de Corgi, c'est le Pembroke que vous allez voir en mouvement immédiatement devant Monsieur le juge. Best of breed winner today. The Welsh Corgi Pembroke. Et toujours dans ce groupe, un des chiens de Bouvier et Berger. Vous avez entre les mains de Monsieur Silva un collet barbu. Best of breed winner, Bearded Collie. Toujours sous British, voici le Bobtail. On appelle en français, le chien de berger ancestral. The Old English Sheepdog. Petit probablement du groupe, il nous vient de Belgique. Vous l'avez reconnu, c'est le Schipperke. The smallest breed in FCI Group 1, the Schipperke. We have the results for FCI Group 1. The third place goes to the Welsh Corgi Pembroke. Le Welsh Corgi Pembroke en troisième position. Second place for Bouvier de Flandre. Le Bouvier des Flandres deuxième. And the winner is the Bearded Collie. C'est donc bien ce Bearded Collie, meilleur chien du premier groupe, que nous retrouverons en toute fin de programme pour le choix du meilleur chien du jour. Sur ce podium, nous retrouvons également en deuxième position le Bouvier des Flandres et en troisième position le Welsh Corgi Pembroke. Nous allons maintenant nous intéresser aux chiens du deuxième groupe de la FCI. Et pour choisir le meilleur du jour, vous allez accueillir sous vos applaudissements les plus nourris, Monsieur Bruno Nodali qui nous vient d'Italie.
Applaudissements pour Monsieur Nodali, s'il vous plaît. Best of breed winners from FCI Group 2. The Doberman. The Pinscher. Giant Schnauzer Black. Schnauzer Black. Miniature Schnauzer Pepper and Salt. Miniature Schnauzer Black and Silver. Russian Black Terrier. The Dog de Bordeaux. Grey Dane Fawn. Grey Dane Black. And Grey Dane Blue. The Rottweiler. The Mastiff. The Bull Mastiff. Presa Canario. Torniak. The Newfoundland. The Leonberger. The Hovavart. San Bernard Shorthaired. The Tibetan Mastiff. The Appenzell Cattle Dog. The Bernese Mountain Dog. The Entlebuch Cattle Dog. And Great Swiss Mountain Dog is the last one of the best of breed winners from FCI Group 2, competing for best in group. Voilà, applaudissements effectivement pour tous ces meilleurs chiens de chacune des races du deuxième groupe que Monsieur Nodali va avoir l'honneur de sélectionner maintenant pour vous, devant vous. Le deuxième groupe étant, je crois, un des groupes qui a vu le plus d'entrées aujourd'hui à cette exposition de dimanche. Peut-être avec le 9e groupe. Et donc celui qui va l'emporter dans quelques instants aura d'autant plus de mérite que le nombre de chiens engagés aura été important. Terrier noir de Russie est sélectionné, le dog de Bordeaux est sélectionné, le dog allemand fauve est sélectionné, le bull mastiff est sélectionné, le terre-neuve est sélectionné. Et merci et félicitations à tous les autres gagnants, et le rottweiler également a été sélectionné. Voilà donc premier chien en mouvement devant vous, le terrier noir de Russie. Best of breed winner, Russian Black Terrier.
avec son faciès caractéristique. Vous allez maintenant pouvoir voir évoluer devant vous le dog de Bordeaux. Dog de Bordeaux on the move, and now the attention of our judge is all for the Great Dane Fawn. The Great Dane has just one standard, but you could see three best of breed winners in the main ring. They are divided into three color varieties. This is the best of breed winner of the Fawn and Brindle variety, the Great Dane Fawn. Voilà donc le dog allemand fauve en mouvement. Effectivement, cette race comporte trois couleurs admises: le fauve, l'arlequin et le bleu. C'est bien le fauve qui a été sélectionné comme meilleur aujourd'hui. Celui-ci qui évolue devant vous est originaire d'Allemagne. Il s'agit, vous l'avez reconnu, du Rottweiler. Another breed that belongs to the Moloser section of FCI Group 2. The Mastiff. L'un des plus imposants par son volume et sa taille, le Mastiff en mouvement devant vous. Le suivant également existe en plusieurs couleurs: le noir, le foie et le noir et blanc. Le Terre-Neuve, qui est dans les mains de Monsieur Nodali, est en lui avec une belle livrée noire. The last one of our six selected on the move in FCI Group 2, the Newfoundland. Congratulations to all six of you being selected in a very large and competitive group two here in Geneva.
And here we are with the results. Alors, on va rejoindre Monsieur Nodali sur le podium en troisième position, le terrier noir de Russie, troisième. Russian Black Terrier, third place. En deuxième position, ce sera le Mastiff. Second place for the Mastiff. Et le meilleur chien du deuxième groupe est le Terre-Neuve. Best in group two today is the Newfoundland. Let's go on with FCI Group 3. I would like to welcome the judge for this group, coming from Poland, please. Put your hands together for Mrs. Ina Małecka. Les chiens en compétition, un Airedale terrier, suivi d'un Bedlington terrier. Un border terrier, un fox terrier à poil lisse, un fox à poil dur, un Irish soft coat Wheaton terrier, un Irish terrier, un cairn terrier, Dandy Dinmont terrier, Jack Russell terrier, Scottish terrier, Sealyham terrier, West Island White terrier, Bull terrier miniature, Staffordshire Bull terrier, American Staffordshire terrier, and the last one, Yorkshire terrier, le dernier de ce troisième groupe de la FCI. Le terrier est sélectionné, le border terrier est sélectionné, l'Irish terrier, le Scottish terrier, le bull terrier miniature et le Staffordshire bull terrier sont sélectionnés. Merci à tous les autres, bien entendu, excellent puisque tous ayant obtenu ce matin ou en début d'après-midi le titre de meilleur de race. Mais les meilleurs des meilleurs nous restent avec en mouvement actuellement devant Madame Matéka, l'Airedale Terrier. The best of breed winner, Airedale Terrier. And now on the move,
the Border Terrier. Voilà, donc terrier issu, comme son nom l'indique, de la région des Border en Angleterre, le Border Terrier. Et toujours du Royaume-Uni, mais venant d'Irlande, avec évidemment sa belle livrée fauve, l'Irish Terrier. Some of the dogs just love watching themselves on the big screen, and that's also the case of this best of breed winning Irish Terrier. Et après le rouge, le noir, voici que se présente le Scottish Terrier, qu'on peut également retrouver en différentes couleurs, comme le froment par exemple. Ici, nous avons bien le black. Today's best of breed winner, Scottish Terrier. And now to the next breed. The breed that comes in two different size varieties. This is the smaller one, the miniature Bull Terrier. Voilà le Bull Terrier miniature. Très joyeux, comme vous pouvez le voir. The jeans of the handler are ripped, and now we noticed why, because the Bull Terrier is playing with his jeans constantly. Et enfin, dernier choix, il s'agit du Staffy Staffordshire Bull Terrier. Staffordshire Bull Terrier on the move is the last one of the selection within FCI Group 3. And let's see if we are ready with the results. Third place in FCI Group 3 goes to the Irish Terrier. Troisième position pour l'Irish Terrier. Second place for the Airedale Terrier. L'Airedale en deuxième position. And the winner of FCI Group 3 is the Scottish Terrier. Voilà les félicitations, Madame la juge, pour ce superbe Scottish Terrier qu'on retrouvera en toute fin de programme pour être en compétition pour le titre de Best in Show du jour. Sur la deuxième position, on retrouve l'Airedale Terrier et en troisième position, un non moins superbe Irish Terrier. Voilà pour ce podium des chiens du troisième groupe, qui, entre parenthèses, ont mis un peu d'animation. On en a vu un qui regardait son image dans l'écran et l'autre qui a joué avec son maître. Voilà, c'est toujours comme ça, les terriers. Alors, pour
juger les meilleurs teckels, c'est-à-dire l'ensemble du groupe 4. Vous allez accueillir un juge finlandais from Finland, Mr. Markku Lampero. Big applause for him, please. To compete for best in FCI Group 4, we have the Dachshund Standard Long Hair, Dachshund Standard Wire Haired, Miniature Smooth Haired, Dachshund Miniature Wire Haired, and Rabbit Sized Wire Haired Dachshund. We only have 5 best of breed winners from the Dachshunds. Only 5 dogs. Seulement 5 variétés représentées sur les 9 possibles. Nous avons 2 standards. 2 nains et 1 caninchon. Et c'est le standard à poil long qui s'élance. So we have 2 representatives of the largest size, the standard. This is the Dachshund Standard Long Haired. Le deuxième est toujours taille standard, c'est-à-dire la plus grande taille chez les teckels. Il s'agit, vous l'avez reconnu, du teckel à poil dur. It's a dog show, not a hunting competition. The standard wire hair dachshund. Le suivant est celui de la taille intermédiaire qu'on appelle nain. Et c'est le poil ras. Pour la variété. Miniature smooth haired dachshund. Miniature wire hair dachshund. Alors, toujours dans la catégorie, dans la taille des nains, mais cette fois en poil dur. Et dernier en compétition, donc. Le plus petit par la taille et par le périmètre thoracique. Il s'agit du caninchon dans la variété poil dur. And now the only representative in the selection of the smallest variety, the rabbit-sized wire-haired dachshund.
It's so easy to make a mistake in FCI Group 4, so let's hope we got it right again. Third place goes to the rabbit-sized wire-haired Dachshund. Voilà, donc le Canine Chun à poil dur en troisième position. Second place for the miniature wire-haired Dachshund. Deuxième, le nain à poil dur. And the first place goes to the standard wire-haired Dachshund. Let's go on with best in group five. I would like to welcome in the main ring our guest from Romania to choose the best in group five, Mr. Cristian Stefanescu. Et pour les chiens en compétition, un chien Eskimo canadien. Suivi d'un Samoyed, Alaskan Malamute, Siberian Ski, chien finnois de Laponie, Spitz Loup, Petit Spitz Orange, il arrive, le Spitz Nain, le Pomeranian, le Chao Chao, le Rasier, l'Akita Inu, American Akita, Shiba Inu, Shikoku, Bazenji, Pharaon Und, le Xolo standard, le Xolo miniature, le Tsirneko d'Eletna et le dernier, le Thailand Ridgeback. Dernier chien en compétition pour ce meilleur du cinquième groupe. Best of breed winners from FCI Group 5, the Spitz and the Primitive breeds. Several breeds divided into size varieties. Now, onto the selection. Le chien nu du Mexique, le Bazenji. L'Akita américain sont sélectionnés. Le Pomeranian également. Et le Spitz Loup. Voilà pour les sélectionnés. C'est donc le Xolo standard, c'est-à-dire le plus grand par la taille des variétés qui se présentent
en mouvement. Et bien entendu, merci et félicitations à tous ceux qui sont meilleurs de race mais qui nous quittent à l'instant. Best five dogs of the group. The first one on the move is the Mexican hairless dog, standard size. Et après le Mexique, nous partons faire un tour en Afrique avec ce Bazenji, meilleur adulte de sa race. The best of breed winner, American Akita. Voilà l'Akita américain en mouvement. Et suivi du plus petit choix de ce cinquième groupe, le Pomeranian. And now in our selection of five best dogs from FCI Group 5, we have two different size varieties of the German Spitz. This is the smallest one, the Pomeranian best of breed winner. Et dernier choix de Monsieur Stefanescu. Il s'agit du Spitz Loup. En mouvement devant vous. Voilà donc les six chiens en compétition pour ce titre de meilleur chien du cinquième groupe. In FCI Group 5, the third place today goes to the Pomeranian. Le Spitz Pomeranian, troisième. Second place goes to the American Akita. L'Akita américain deuxième. And the winner is the Mexican hairless dog. C'est donc le chien nu du Mexique, le Xoloid Squintle, qui représentera tout à l'heure le cinquième groupe lors du Best in Show du jour. Il est accompagné sur le podium de l'Akita américain et en troisième position du Pomeranian. Juger les meilleurs du sixième groupe, du groupe des chiens courants. On appelle Mrs. Manola Poggesi qui nous vient d'Italie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Big applause for him, for her. Best of breed winners from FCI Group 6. The Bloodhound. Grand Gascon Santon Joa. The Black and Tan Coonhound, Gonchi Polski, Petit Basset Griffon Van de Anne, the Basset Hound, the Beagle,
the Dalmatian, and the Rhodesian Ridgeback, best of breed winners from FCI Group 6. Voilà, donc tous les gagnants de race sont devant Madame Pocchesi, qui a choisi le Bloodhound, le Conhound, le Basset Hound, le Dalmatien, le Beagle. Le petit basset griffon vendéen. Et le Rhodesian Ridgeback. C'est le Bloodhound qui s'élance en première position dans cette sélection des 6 meilleurs chiens du 6e groupe. The Bloodhound, best of breed winner today in this Hound and Scent Hounds group. And now being presented to our judge is the Black and Tan Coonhound. En mouvement devant vous, donc le Conhound avec ses deux couleurs black and tan. Et celui qui va s'élancer maintenant devant Madame la juge est le petit basset griffon vendéen. Was that a challenge for me to repeat? The best of breed winner, Petit Basset Griffon Vendéen. Excellent, Linda, excellent. Maybe until next year, I'll learn French so we can communicate even better next year. Le Basset Hound, toujours dans cette sélection pour le titre de meilleur du 6e groupe. The Basset Hound, best of breed winner. Probablement l'une des plus populaires des races de ce 6e groupe, qui peut être également un chien de compagnie, en plus d'être un chien courant, le Beagle. The best of breed winning Beagle. Voilà le Dalmatien avec ses taches noires. The Croatian native breed from the coast of Dalmatia. This is the Dalmatian. Il y avait également un grand nombre d'inscrits dans cette race. Aujourd'hui, le Rhodesian Ridgeback.
And the last one of the seven selected within FCI Group 6, the Rhodesian Ridgeback. And let's see the results. Le temps pour Madame Poggetti de rejoindre le podium et on va demander au Bloodhound de monter sur la troisième marche du podium. Third place for the Bloodhound. Il sera suivi en deuxième position par le Basset Hound. Second place for the Basset Hound. Et le meilleur du sixième groupe aujourd'hui est le Beagle. Best in group six today is the Beagle. Let's go on with Best in Group 7, and I have already had the honor to introduce to you the judge that is coming now to the main ring today, but please help me again and put your hands together for our guest from Poland, Mrs. Malgorzata Wieremejczyk-Wierzchowska. Pour les chiens en compétition, tout d'abord un Brac du Bourbonnais, suivi du Brac allemand à poil court, le Brac de Weimar à poil court, le Brac hongrois à poil court, le Brac italien, l'épagneul breton, le petit épagneul de Munster, le Spinoni, le pointer anglais, le setter anglais et le Gordon setter, dernier chien en compétition dans ce septième groupe de la FCI. Pointing dogs and setters from FCI Group 7. Le Brac du Bourbonnais sélectionné. Le Wisla hongrois, le Spinone italien. Le Braco italiano, pardon. Pointer anglais, le setter anglais sont sélectionnés. Et voilà pour les six choix de Madame la juge. Et félicitations aux autres participants, tous meilleurs de race, en ce troisième jour d'exposition canine internationale de Genève 2022. And here we go with the six selected from FCI Group 7. This is the best of breed winner, the Bourbonnais pointing dog.
Voilà donc en mouvement le Braak du Bourbonnais. Hungarian short-haired pointing dog, or the Magyar Vizsla. Le Braak hongrois à poil court, puisqu'il existe également une variété à poil long chez le Vizsla. Italian pointing dog, Braco Italiano. Voilà le Braak italien, Braco Italiano. Très heureux d'être ici, visiblement. English pointer, best of breed winner. Le pointer anglais. Et chez les Britanniques, on va retrouver le setter anglais. Best of breed winner, English setter. Et toujours dans la section des Britanniques, le setter Gordon. The Gordon setter is the last one on the move. Let's see the results in FCI Group 7. Third place in FCI Group 7 goes to Braco Italiano. Le Braak italien en troisième position. Second place for the Bourbonnais pointing dog. Le Braak du Bourbonnais second. And the winner of FCI Group 7 is the Hungarian short-haired pointer. Voilà, c'est donc bien le Braak hongrois Magyar Vizsla qu'on retrouvera tout à l'heure pour représenter le septième groupe lors du Best in Show du jour. Il est suivi sur ce podium d'un Braak du Bourbonnais en deuxième position et du Braco Italiano en troisième position. Et pour juger les meilleurs chiens du huitième groupe,
vous allez accueillir. Il nous vient d'Espagne, Monsieur José Miguel Doval. Merci de l'applaudir très fort. Best of breed winners from FCI Group 8. The Nova Scotia Dactyling Retriever. The Flat-Coated Retriever. The Golden Retriever. Labrador Retriever. The Chesapeake Bay Retriever. The Clumber Spaniel. The English Cocker Spaniel. English Springer Spaniel. Welsh Springer Spaniel. The American Cocker Spaniel. The Barbet. The Irish Water Spaniel. The Lagotto Romagnolo. Portuguese Water Dog. And the Spanish Water Dog. The last one competing for best in group 8. Voilà, donc dans ce huitième groupe de la FCI qui comporte des chiens rapporteurs et également des chiens d'eau. Monsieur Doval va dans quelques instants. Et puis des Spaniels également que j'allais oublier. Voilà donc Monsieur Doval qui va choisir ses 6 meilleurs sujets. Avant d'en arriver au podium, le flat coat est sélectionné. Le Labrador est sélectionné, le Chesapeake est sélectionné, le Clumber est sélectionné. Le chien d'eau portugais est sélectionné. Et le Lagotto Romagnolo est sélectionné également. Et le chien d'eau portugais aussi. Et c'est dans une couleur marron ou foie que se présente le premier sujet, le Flat Coat Retriever. And the next one competing for best in group 8, the next of the best of breed winners, this is the Labrador Retriever. And we have 3 retrievers out of the 6 recognized retriever breeds in FCI group 8. 3 of them are representing the group today in the final selection. Et voilà donc effectivement le troisième retriever en compétition. Il s'agit du Chesapeake Bay Retriever. The only representative of the Flushing Spaniels section, the breed that always comes only in this color pattern. Unlike some other spaniels that can come in different colors, this is the Clumber Spaniel. Voilà donc l'unique représentant de la section des spaniels, c'était le Clumber Spaniel. And now on to with the water dogs. This breed is originating in Italy. The Romagna water dog, the Lagotto Romagnolo. Voilà donc le Lagotto Romagnolo, qui est également un chien d'eau, mais également un excellent chien pour chercher les truffes pour le cavage. Thank you.
et toujours chez les chiens d'eau, donc le chien d'eau portugais. The Portuguese water dog, the last one on the move from our six selected. So let's see who are the three favorites of Mr. José Miguel Doval from Spain. Voilà, pendant que Monsieur José Miguel Doval rejoint le podium, on va également demander au Flat Coat Retriever de le rejoindre en troisième position sur ce podium. Third place for the flat-coated retriever. C'est le Lagotto Romagnolo qui va le rejoindre en deuxième position. Second place for the Lagotto Romagnolo. Et le retriever du Labrador, grand gagnant du huitième groupe. The best in group 8 today is the Labrador Retriever. The next of the best in group competitions is for FCI Group 9. I would like to welcome our guest all the way from Australia, Mr. Ashley Reed. Pour les chiens en compétition, le bichon frisé, suivi du bichon havanais, le grand caniche blanc, caniche moyen blanc, caniche nain noir, caniche nain fauve, caniche toy, le griffon belge, chien chinois à crête, le terrier du Tibet, le cavalier King Charles Spaniel, le Pékinois, le papillon, le phalène, le Husky Toy à poils longs, le carlin, le bulldog français et le dernier en compétition, le Boston Terrier, dans ce neuvième groupe de la FCI. The best of breed winners of the companion and toy breeds from FCI Group 9. Voilà donc pour ce neuvième groupe de la FCI, le groupe des chiens de compagnie, où Monsieur Raed va faire dans quelques instants une sélection des six qu'il estime les meilleurs. Le caniche noir est sélectionné, moyen noir, le toy fauve. Le papillon est sélectionné, le Tibetan terrier, le chien nu chinois également, et enfin le carlin.
son caniche nain noir. Le premier des six a évolué devant vous et surtout devant monsieur le juge. After the miniature black poodle, we go on with one size smaller poodle variety. It's in the fawn color, but the toy variety is not divided for the separate cassive into the colors. So this is the toy poodle. Donc le caniche toy pour la plus petite taille des caniches. Et il est suivi du chien chinois à crête. Chinese crested dog. Et parmi les quatre races originaires du Tibet, voici le terrier du Tibet. Best of breed winning Tibetan terrier. Également deux variétés chez les épagneuls nains, celui-ci étant l'épagneul papillon avec ses oreilles dressées. The small continental spaniel, the papillon. Et dernier choix de monsieur Reid, le pug ou carlin ou mops qui existe également en plusieurs variétés de couleurs. And the pug. In your eyes, it's a difficult group to judge. They're lovely dogs, so let's see. FCI Group 9. Third place goes to the toy poodle. Le caniche toy, troisième. Second place goes to the pug. Le carlin en deuxième position. The winner of FCI Group 9 today is the papillon. C'est l'épagneul papillon que M. Ashley Reid a choisi pour représenter le groupe des chiens de compagnie. Il est accompagné sur ce podium par un carlin en deuxième position et par le caniche toy sur la troisième marche du podium. Et on retrouve bien entendu le papillon dans quelques instants pour le jugement du Best in Show du jour.
Alors, pour le choix du meilleur chien du 10e groupe, du groupe des lévriers, donc, elle nous vient des USA. Je vais vous demander d'accueillir Mrs. Marjorie Martorella sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Big applause for competing for best in group 10, the Afghan Hound, the Saluki, the Deerhound, the Irish Wolfhound, the Greyhound, the Whippet, Italian Sidehound, and the Azabak. Voilà donc les gagnants de ce 10e groupe sous le jugement de Madame Mrs. Martorella. Sélection qui comporte visiblement le lévrier afghan, le Saluki, l'Irish Wolfhound, le Whippet, l'Azawak et le Deerhound. Six best of the sidehounds. We have only seen eight best of breeds in this group that is recognizing 13 sidehound breeds altogether by the nomenclature of the FCI. And now this is the best of breed winner, Afghan Hound. Voilà, en mouvement, avec ses superbes allures, le lévrier afghan. Le suivant, également sous les yeux de Madame la juge, est le Saluki. Not only the largest breed in this group, but the largest one of the breeds in general, of all of the recognized breeds. The Irish Wolfhound. Voilà donc là. Taille la plus impressionnante, la plus importante de toute l'espèce canine pour cette Irish Wolfhound. And now the breed known for its curved lines. The Whippet. Et dans le grand tour du ring, le Whippet.
We have had the largest one of the breeds within the selection in FCI Group 10. But this is the shortest breed in the shape of the body. The body of this breed is shorter than the head at the withers, which is, for any other breed, it's incorrect, but for the Azabak is the typical feature. Voilà, c'est un chien dont la longueur du corps doit être inférieure à la hauteur. L'Azawak, qui est originaire d'Afrique. Et assez semblable à celui que nous avons vu précédemment, mais de plus petite taille, et originaire cette fois, non pas d'Irlande, mais d'Écosse, le Deerhound. And the last one on the move from the selection, the breed that originates in Scotland, the Deerhound. Martorella va rejoindre le podium et y accueillir en troisième position le lévrier afghan. Third place for the Afghan Hound. En deuxième position, l'Azawak. Second place for the Azawak. Et c'est le plus grand des lévriers qui va rejoindre la première position, à savoir l'Irish Wolfhound. Best in Group 10, the Irish Wolfhound. Ladies and gentlemen, and now the best in show competition is ahead of us.
And it's my great pleasure to welcome and invite our dear colleague and the judge for Best in Show coming from Slovakia, Mrs. Linda Voláriková. Grands applaudissements pour ma complice de plusieurs années, pour Linda Voláriková. Please, big applause for him. And we would like to meet our Best in Show finalists. FCI Group 1 is represented by Bearded Collie. The winner of FCI Group number 2 is Newfoundland Le Terre-Neuve. Let's welcome the Best in Group number 3. Scottish Terrier. And within Dachshunds is today's winner, Le Teckel Standard à poil dur. And we would like also to meet the winner of FCI Group 5. Le Xolois Quintal Chien Nu du Mexique Standard. The winner of FCI Group 6. The Beagle. Now please put your hands together for the winner of FCI Group 7. Le Braque Hongrois à poil court, Maudior Wisla. Let's welcome the winner of FCI Group 8. Le Retriever du Labrador. And our next finalist is the winner of FCI Group 9. L'Espagnol Nain Continental Papillon. And last but not least, the winner of FCI Group 10. L'Irish Wolfhound. Voilà donc les 10 chiens grands gagnants de chaque groupe sont maintenant dans le ring d'honneur et on va laisser à Linda Voláriková, juge hautement émérite, le soin de sélectionner les meilleurs après les avoir examinés, bien entendu, chacun dans tous les détails qu'elle souhaitera. Examiné actuellement le gagnant du premier groupe de la FCI, chien de berger et bouvier. Vous l'avez reconnu, il s'agit du collet barbu. And now is on the move the winner of FCI Group 1, the bearded collie. This group was today judged by Mr. Zeferino Silva from Portugal,
And this bearded collie is his winner. Et tous vos applaudissements les plus nourris, s'il vous plaît, à chacune des évolutions pour ces superbes chiens, puisqu'ils sont le résultat d'au moins 3 sélections au cours de la journée. Donc vous avez devant vous les meilleurs des meilleurs, le meilleur du deuxième groupe, donc des molosses et des schnauzers, étant ce chien de Terre-Neuve. And now we are looking at the Newfoundland, the winner of FCI group number 2, under the judge, Mr. Bruno Nodali from Italy. Et le gagnant du troisième groupe de la FCI, du groupe des terriers, le Scottish terrier sur la table d'examen. Ce chien a été sélectionné tout à l'heure, il y a quelques instants, par Madame Ina Mateka de Pologne. Et on va le voir évoluer dans son aller-retour Scottish Terrier. The Scottish Terrier is the winner of FCI group number 3. Le teckel standard à poil dur, sélectionné par Monsieur Marco Lampero de Finlande, est sur la table d'examen. And now Mrs. Linda Volarikova is individually judging the winner of FCI group number 4, the standard wire-haired dachshund. Applaudissements pour ce meilleur chien du quatrième groupe, s'il vous plaît. And now we are looking at the winner of FCI group number 5, the Mexican hairless dog. And this one is the winner for the judge, Mr. Cristian Stefanescu from Romania, who was judging FCI group number 5. Voilà, on se remet en place pour ce chien nu du Mexique de taille standard. Est sélectionné pour vous, devant vous, il y a quelques instants, par Monsieur Cristian Stefanescu de Roumanie. Voilà, vous pouvez les applaudir tous très fort à chacune de leurs évolutions, s'il vous plaît. Le suivant
sur la table d'examen et dont les proportions sont maintenant appréciées par Linda Volarikova, vous avez reconnu le meilleur du sixième groupe, le Beagle. And now on the move is the winner of FCI Group 6 under the judge, Mrs. Manuela Poggesi from Italy, the Beagle. Alors le Beagle a visiblement son fan club. Et j'espère que vous applaudirez tout autant, mesdames et messieurs, le chien qui est maintenant examiné, meilleur chien du septième groupe, du groupe des chiens d'arrêt. Il s'agit, vous l'avez reconnu, du braque hongrois à poil court. Ah, il a sommeil. Il a raison, il peut être fatigué, il en est à probablement quelques kilomètres parcourus aujourd'hui. Now you can put your hands together for the winner of FCI Group 7, the Hungarian short-haired pointing dog, as the winner of the judge, Mrs. Malgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska from Poland. Pour le groupe 8, c'est le retriever du Labrador qui est examiné actuellement et qui a été sélectionné tout à l'heure par Monsieur José Miguel Doval d'Espagne. Voilà, en mouvement le retriever du Labrador, meilleur chien du 8e groupe de la FCI. Our finalist of Best in Show, number 8, is the Labrador Retriever, and it was chosen by Mr. José Miguel Doval from Spain. Le meilleur du 9e groupe, le groupe des chiens de compagnie, sélectionné pour vous, devant vous, il y a peu de temps, par M. Ashley Reid, qui nous vient d'Australie. Vous l'avez reconnu, il s'agit de l'Espagnol nain continental Papillon. The Papillon is representing FCI group number 9. This group was today judged by Mr. Ashley Wright from Australia. Et le plus imposant de tous, comme on a eu l'occasion de vous le dire, le représentant du 10e groupe, choisi par Mrs. Marjorie Martorella des USA, c'est l'Irish Wolfhound dans les mains de Linda Volarikova pour le choix du Best in Show du jour. Et l'Irish Wolfhound en mouvement. And this is the Irish Wolfhound, the winner of the fastest FCI group, the Sidehounds.
Alors, Madame la juge va nous confirmer son jugement. Ensuite, tous les concurrents, les 10 meilleurs de groupe, feront un grand tour qui lui permettra qui nous permettra de voir ces excellents chiens une dernière fois. Ensuite, vous regagnerez tous le pré-ring et seuls les 3 meilleurs reviendront sur le ring d'honneur. Voilà, Linda va serrer la main de l'ensemble des propriétaires ou handlers, les remercier de lui avoir présenté d'excellents chiens. Mrs. Linda Volarikova is shaking hands to all our finalists of today's Best in Show, and we would like to all once around together, please. Vous faites le grand tour du ring, s'il vous plaît. All together. Et grands applaudissements pour ces 10 meilleurs de cette troisième journée d'exposition internationale de Genève. Vous pouvez les applaudir très fort et les 10 vont maintenant rejoindre le pré-ring. And now we have the results of Best in Show. Third place goes to the Papillon. Le gagnant du 9e groupe de la FCI, le Papillon, va nous rejoindre sur la 3e marche du podium. The representative of FCI Group 9, the Papillon. Second place, the reserve Best in Show, goes to the representative of FCI Group number 3, the Scottish Terrier. Le Scottish Terrier qui nous arrive et que vous pouvez applaudir en deuxième position. Et quel sera le chien choisi par Linda Volarikova comme Best in Show du jour et qui participera dans quelques instants au suprême Best in Show? C'est le représentant du 6e groupe de la FCI. Il s'agit du number 6, the Beagle. Beagle. Voilà, il avait déjà gagné à l'applaudimètre, ce Beagle, mais il a gagné aussi sous le jugement de Linda. Voilà donc le podium du jour, les photos souvenirs, bien entendu, en commençant par le chien classé en 3e position qui reçoit la rosette. C'est l'Espagnol Papillon, 3e. 2e, le Scottish Terrier. The Beagle is today's Best in Show, and he is the last finalist for our today's competition, Supreme Best in Show. Nous allons donc retrouver le Beagle dans le Supreme Best in Show dans quelques instants. Le Supreme Best in Show qui sera jugé par Monsieur Leif Hermann Wilberg. Mais avant, nous aurons déjà le jugement du
Supreme Junior Best in Show. Et c'est Madame Mrs. Marjorie Martorella que nous retrouverons au jugement. Félicitations en tout cas à ces trois meilleurs chiens du jour. Ladies and gentlemen, and now is the time for the best we have seen during all 3 days at the Geneva Cassip Shows 2022. Let's start with the Supreme Junior Best in Show. And the judge for this competition is Mrs. Marjorie Martorella from the US. Big applause for Mrs. Marjorie Martorella qui va juger donc le Supreme Junior Best in Show, les meilleurs juniors des 3 jours, les meilleurs jeunes chiens des 3 jours. And we would like to meet our Supreme Junior Best in Show finalists. So the winner of Junior Best in Show of Friday is the Basenji. Le Basenji, vainqueur de la classe jeune vendredi, le Basenji. Pour samedi, c'était the Junior Best in Show of Saturday is the Russian Black Terrier. Le terrier noir de Russie, Tcherny Terrier, meilleur jeune du samedi, hier donc. And the winner of Junior Best in Show of Sunday is a pack. Le Carlin que vous avez vu aujourd'hui même l'emporter dans la classe jeune. Et c'est donc parmi ces 3 jeunes chiens donc, qui sont tous âgés entre 9 et 18 mois pour avoir été exposés dans la classe jeune que Madame Martorella va maintenant décider lequel obtiendra le titre de Supreme Best in Show Junior. Ah, ce sont bien évidemment 3 excellents jeunes chiens puisque ayant obtenu chacun leur jour le titre de meilleur jeune du jour, mais quelques petits détails feront que l'un d'eux sera appelé comme Supreme Best in Show de ces expositions internationales édition 2022 de Genève. So our first Supreme Junior Best in Show finalist is a representative of FCI Group 5, Basenji. Le Basenji a été le premier chien examiné par Mrs. Martorella. Le second, vainqueur hier samedi de la catégorie jeune. Et vous l'avez reconnu, le terrier noir de Russie. And now, Mrs. Marjorie Martorella from the United States is individually judging our second Supreme Junior Best in Show finalist, the Russian Black Terrier. Voilà, applaudissements donc pour ce terrier noir de Russie, vainqueur de la finale des jeunes hier samedi.
et vous l'avez vu choisi il y a peu de temps en ce dimanche comme meilleur jeune du jour. Il s'agit du Carlin Oupog Oumops. Selon que vous voulez, c'est toujours le même chien. And now the junior best in show winner of today, this is the pack. Voilà donc en mouvement pour une toute dernière apparition, le Carlin. On va laisser Mrs. Martorella jeter un dernier regard sur ces trois finalistes juniors, les examiner une toute dernière fois. Now we are choosing the junior supreme best in show. And we have just one place for these finalists. Alors le grand tour du ring pour ces trois finalistes et un seul sera désigné comme suprême best in show du jour. On va savoir dans quelques instants lequel sera désigné et appelé. So the supreme junior best in show of Geneva Cassip Duck Shows 2022 is the pack. Voilà donc le Carlin choisi comme suprême best in show de ces trois jours d'exposition internationale de Genève, édition 2022. Et place à vous, messieurs les reporters, pour les photos. Et félicitations donc à ce chien et à sa propriétaire. So once more, congratulations to the winner, the pack, and big thanks to Mrs. Martorella for judging this competition. And now, ladies and gentlemen, we can go on with the supreme best in show. Please let me welcome the judge coming from Norway, Mr. Leif Herman Wilberg. Un honneur pour Monsieur Leif Herman Wilberg, désigné pour juger le best in show, le suprême best in show de ces expositions de Genève 2022. Le gagnant du premier jour est. And the winner, best in show winner of Friday show, is the Lhasa Apso. Voilà, le Lhasa Apso, gagnant du premier jour du vendredi, donc ici même, sur ce même ring d'honneur. On va appeler maintenant le chien gagnant hier, samedi. Let's welcome the winner of Saturday's show. This is the American Akita.
l'Akita américain gagnant hier dans ces mêmes lieux et celui qui a juste eu quelques instants pour se reposer, le gagnant du jour, and qui est... Today best in show is the Beagle. Le Beagle qui a été choisi aujourd'hui même par Linda Volarikova comme meilleur sujet de ce dimanche. Alors parmi ces trois, on va laisser à Monsieur Wilberg tout le temps nécessaire pour apprécier ces trois superbes chiens, forcément superbes puisqu'ils ont tous été désignés meilleurs du jour. Et ensuite, il nous dira lequel il appellera sur le podium en sa compagnie pour y recevoir la rosette de Supreme Best in Show. Alors, avant de nous quitter, mais je pense que personne ne l'ignore, on va pouvoir vous donner rendez-vous l'an prochain dans ces mêmes lieux, mais dans un espace beaucoup plus grand pour le World Dog Show 2023. On y attend, bien entendu, un très grand nombre de chiens. On a parlé de 15 000, mais on pourrait même mettre un défi à un peu plus de 15 000. Pourquoi pas, n'est-ce pas, Laurent et Barbara, qui sont juste en face de moi? 15 000 chiens, c'est possible, ou on peut même les dépasser pour le World Dog Show. Voilà, elle acquiesce, Madame Muller. Donc rendez-vous l'année prochaine dans ces mêmes lieux, dans ces mêmes locaux, pour le World Dog Show. Et ça ne sera pas à la même période de l'année, mais bien en été, au mois d'août. Now the winner of Companion and Toy Dogs, the Lhasa Apso, is competing for Supreme Best in Show. Voilà, vos applaudissements pour le Best in Show de vendredi, le Lhasa Apso. Et issu du cinquième groupe, mais surtout gagnant du Best in Show hier samedi, dans les mains de Monsieur Wilberg, c'est l'Akita américain. Qui est invité à faire un aller-retour face caméra. And this is the Best in Show winner of Saturday. The representative of FCI Group 5, the American Akita. Tour du ring et tous vos applaudissements les plus nourris pour ce gagnant du samedi, l'Akita américain. Et voilà le gagnant du dimanche, celui que vous avez vu évoluer il y a quelques instants, et je pense que son fan club est toujours prêt à taper dans les mains. Le Beagle. And the third finalist for Supreme Best in Show is today's Best in Show, the Beagle.
effectivement, le fan club est toujours là pour le Beagle Best in Show du dimanche. And now, all is up to Mr. Leif Herman Wilberg. Voilà le dernier tour d'horizon de ces trois Best in Show d'un jour. Lhasa Apso pour vendredi, Akita Américain et Beagle pour aujourd'hui dimanche. Les félicitations, le shake hand de Monsieur Wilberg et le grand tour du ring pour. So please put your hands together for our supreme best in show finalists. As the first, Lhasa Apso, the American Akita, and the Beagle. Voilà les trois finalistes qui se repositionnent. Et Monsieur Wilberg va nous dire quel est le suprême best in show qu'il a retenu. Alors le suprême best in show, si vous voulez bien rejoindre le podium. Ladies and gentlemen, the supreme best in show of Geneva Cassip Shows 2022 is the Lhasa Apso. Lhasa Apso is the supreme best in show of the three international dog shows. Cassip Geneva 2022, big congratulations. And please, one more big applause. Tous vos applaudissements pour ce Lhasa Apso, supreme best in show de ces trois jours d'exposition de Genève 2022. Choisi par Monsieur Wilberg. Le temps des photos souvenirs, time for pictures. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank my colleague Irena for taking over my job when I had the honor to be judging in the main ring. Thank you for the support. I love seeing so many of the visitors still here in the hall in Palexpo. Thank you to everyone that was watching us on Facebook and YouTube. Merci également à Irina qui a superbement suppléé ma collègue Linda qui nous a abandonné pour le Best in Show du jour. Mes félicitations à elle pour avoir choisi un très beau chien. Félicitations, applaudissements pour mes deux comparses. Merci à vous tous, mesdames et messieurs les juges. Merci à tous les participants. Et merci au public qui a été aujourd'hui fidèle jusqu'à la fin de ces trois journées d'exposition. So, it was my pleasure. Thank you to all of you. And I hope see you next time here in Geneva. The next time in Geneva is the World Dog Show. Stay with us. N'oubliez pas la prochaine occasion de se voir à Genève. C'est le World Dog Show au mois d'août de l'année prochaine. Commencez à engager vos chiens. Les engagements sont déjà ouverts, donc n'hésitez pas. C'est moins cher actuellement. Donc, et rendez-vous à l'année prochaine sur YouTube. Et merci également à nos compères de P1 Dog Show qui, comme toujours, nous accompagne dans ces expositions de Genève. Safe trip home to everyone. Have a lovely evening.
Merci, bon retour chez vous. Polexpo has modern extensive premises conveniently located at the heart of Europe. Let's have a tour and discover it. You can access Polexpo by any means you please. The International Coindren Airport is across the road. Corlevin train station is a short ride away. This puts us 1 hour from Paris, London, Frankfurt or Zurich, and 6 from Dubai or 10 from Beijing. Do you believe too much gluten in food is harmful? Dogs aren't likely to give it much thought, but we can. Our love shines through in prevention by nutrition with BritCare. Want a dog food that's gluten-free and hypoallergenic? We've got lamb with rice. Want one that's entirely free of grains? How about salmon with potatoes? BritCare offers a wide range of nutritional needs, always ensuring a strong immune system and top physical condition for your canine buddies. Brit.